Não cantando, ando trabalhando tambor, senti meu amor, senti. Quanto tempo temos andado, senti outro temor a mim, senti meu amor, senti. Vai cantando, vai cantando, vai dançando do maçã, vai deixando o amor pra trás, cantando ele vai voltar. Toda de mesmo mata, quem ela vai me matando? Senti meu amor, senti, senti meu amor, senti, senti meu amor, senti. Ai, nós. Toda vida nous avons toujours travaillé. Nos arrière-grands-parents, nos grands-parents, nos parents ont grandi en travaillant et ils n'ont jamais fait de dégâts. Pour survivre, ils appliquaient la méthode des assolements. Ils coupaient la forêt et plantaient du maïs, du riz, des haricots, du manioc. Après un an ou deux, ils éliminaient toute la plantation et laissaient la forêt repousser. Ils allaient à un autre endroit pour commencer une autre plantation, en faisant là ce qu'ils avaient fait ici. 5 ou 6 années plus tard, ils revenaient, tout avait repris, et ils se remettaient à planter. Par exemple, cette colline que vous voyez là-bas était une plantation de manioc, mais la forêt s'est maintenant reconstituée. Ils attendaient que la forêt repousse pour retourner y travailler. Ainsi, ce que nous faisions n'endommageait jamais la terre. Tout ce beau paysage que vous voyez, ce ne sont pas les soi-disant écologistes qui l'ont conservé, non. C'est nous qui en avons pris soin et qui l'avons conservé jusqu'à présent. Nous n'avons rien ravagé, nous n'avons jamais endommagé l'environnement. Au contraire, nous avons toujours vécu ici et tout ce qu'il y a de beau, c'est nous qui l'avons fait, personne de l'extérieur. Au contraire, nous sempre vivemos e essa coisa bonita que tem aí foi nós que preservamos, não foi ninguém de fora, não. Les pêcheurs ne dépendent pas que de la mer, ils dépendent de la forêt pour planter des bananes, du manioc, pour labourer la terre, parce que c'est dans la mangrove qu'on trouve l'huître, le sururu, le bakoukou. C'est là que le poisson se nourrit et que nous trouvons le crabe, c'est de là que nous tirons notre subsistance. Le pêcheur va dans la mangrove, il en tire sa nourriture, mais sans rien détruire. Le pêcheur ne détruit pas la mangrove. Nous faisons ce type d'embarcation pour survivre, mais le bois ne s'épuise pas parce que quand nous coupons un arbre pour faire le canoë, les graines tombent dans le sol. Quand on revient 30 jours plus tard, les graines ont germé, plus de 800 000 graines germent au même endroit. La semente n'a tout brotado, plus de 800 000 sementes. Tout brotado au même lugar. Nous pouvons couper un arbre pour faire notre embarcation sans détruire la forêt. Ce n'est pas pour faire des élevages de bétail et de poissons, c'est seulement pour pouvoir nous déplacer en canoë. Je fais de l'artisanat et je suis musicien. Je joue de la guitare, c'est mon travail, je l'ai appris avec mon père. Nous allons à la forêt, nous coupons du bois sans même utiliser de tronçonneuse, rien que la hache et le couteau, et une scie droite pour couper le bois et faire la pièce. Avec le ciseau, je façonne le bois pour faire la guitare ou le rebec. Je travaille lentement, je mets 8 jours pour faire un rebec, la guitare me prend 10 jours. La rebec, la viola va 10 jours. La mia vie là no campo era. Je faisais la roça. Là-bas, à la campagne, ma vie consistait à planter, nous faisions des journées collectives pour nous entraîner. On jouait du fandango pour payer ceux qui travaillaient avec nous. Comme nous n'avions pas d'argent, le bal était la récompense. Le fandango est une danse et une musique. Je crois qu'il existe ici seulement, et à São Paulo.
vou tocar uma música. Já vemos junto da nossa música. Pra vocês verem. Meu pai fazia paiole, fazia roça, fazia aquele puxirão de quebra de milho. Mon père plantait, tout ceci était couvert de maïs. Il plantait assez de riz pour manger et pour vendre aussi. Il élevait pas mal de cochons. Il faisait du manioc pour vendre. Organiser des journées de travail collectif en hiver, tous les samedis, tous les week-ends, on faisait de ces journées. 40 ou 50 personnes se réunissaient dans la plantation, hommes, femmes, jeunes, enfants, tous travaillaient dans la plantation et on les payait avec un bal. C'était la coutume, on dansait toute la nuit. On travaillait la journée entière, tout content, et on dansait la nuit entière, tout content. L'homme plante autant pour lui que pour les animaux de la forêt. Ils aiment tous ce que l'homme plante. Quand on plantait, il y avait davantage de gibier. Quand tout le monde plantait, c'était joli de se balader dans la forêt, parce qu'il y avait beaucoup d'animaux. À présent, il n'y en a plus. Je plantais, on plantait et puis on arrachait ce qu'on avait planté et la forêt repoussait. Ensuite, on allait planter ailleurs et puis on enlevait tout. C'est comme ça qu'on faisait. Je plantais pas mal de maïs et du riz et beaucoup de manioc pour faire de la farine. Voilà ce qu'on faisait. J'ai beaucoup travaillé dans ma vie. Nous sortions aussi des cœurs de palmiers, là où se trouve maintenant la réserve. Nous vivions de la terre. Planter, c'est dans le sang. Ça vient des ancêtres, des grands-parents, de mon père aussi, qui pouvait planter. Aujourd'hui, c'est difficile, mais moi, je plante quand même, parce que c'est dans le sang, parce que nos ancêtres plantaient. Et puis, c'est notre culture, n'est-ce pas? Tout était à mes grands-parents. Là, ils plantaient, ils chassaient, ils mangeaient, ils vivaient de la forêt. Ils chassaient et plantaient, et ils vendaient ce qu'on pouvait vendre en le transportant en canoë à Ouarakesava. Du manioc, de l'aipim, du riz, des pommes de terre, des haricots, du maïs. Ils élevaient des poules aussi pour les manger, et des porcs. Mes grands-parents me donnaient des médicaments quand j'étais petite. Ils me donnaient du quinquina, qui est un arbre pour le mal au ventre, de l'araticum et d'autres fruits dont je me souviens encore aujourd'hui. C'était bon. Quand j'avais mal au ventre, ils me donnaient ça et ça me soulageait.
Et une des choses plus importantes dans l'économie verte, une des choses les plus importantes pour le grand capital et pour les grandes entreprises, c'est la vente de services écologiques. Il s'agit de vendre le carbone qui est dans les forêts, de vendre l'eau qui se produit grâce aux forêts, de mettre un prix à la biodiversité et de faire des affaires avec tout cela. Dar un prix à la biodiversité et tenter faire un négocio avec ça. Qui a intérêt à cela? Premièrement, les grandes entreprises qui ont toujours détruit les forêts pour faire des barrages, des routes, des mines, pour exploiter le pétrole, pour faire des plantations industrielles d'arbres. Pour ces entreprises, la forêt en tant que telle ne servait à rien. Mais un jour, quelqu'un a eu l'idée que la forêt pouvait devenir rentable en lui fixant un prix et en faisant des affaires avec elle. Voilà ce qui est derrière l'économie verte. Et c'est ce qui est pensé dans l'économie verte. Et il y a un autre groupe qui s'intéresse à la vente des services écologiques et celui des grandes ONG conservationnistes. Elles ont l'idée, comme l'ont depuis longtemps les pays les plus industrialisés d'Europe et d'Amérique du Nord, que pour préserver la nature, il faut en sortir les gens, il faut mettre une clôture et qu'il n'y reste que les oiseaux, les plantes et les animaux. E só ficar lá as árvores, as plantas, né? Os bichos. Agora, excluindo pourtant, o ser humano... Exclure l'être humain de la nature est un contresens. Parce que si nous avons encore des forêts dans le monde, c'est grâce aux populations indigènes et traditionnelles qui vivent dans ces régions, qui ont toujours vécu là et qui ont utilisé les forêts pour survivre, mais sans les détruire. Ils n'avaient aucun intérêt à détruire les forêts, puisqu'elles en dépendaient et en dépendent encore. Aujourd'hui, notre problème le plus grave est que nous n'avons plus la liberté de travailler. Autrefois, nous travaillions, nous plantions, il y avait de tout en abondance, tout le monde avait à manger. Aujourd'hui, non. Et tout le monde tinha fartura, tout le monde tinha o que comer, hoje não tem. Se o senhor procura numa comunidade dessa aí. Si vous cherchez à acheter un poulet ou un porc pour manger, il n'y en a pas. Ce n'est pas que les gens soient devenus paresseux, c'est qu'on ne peut pas travailler, on ne peut pas planter du maïs, ni de la nourriture pour les bêtes. Alors on ne peut rien élever. La comida, pour cet animal comer, il ne peut pas créer. C'est une situation difficile. La situation est vraiment difficile. Même des aliments comme le riz, le maïs, les haricots, on ne peut plus les planter. C'est un problème très grave, parce que nous ne pouvons plus travailler comme avant, nous n'avons plus la liberté de travailler. La liberté de travailler, nous n'en avons plus. Il y a 30 ou 40 ans, notre population était le double ou plus ici, à Guaraqueçaba, parce que tout le monde travaillait et pouvait travailler. Les familles avaient 10, 12 enfants, mais ça ne posait pas de problème. C'était mieux, parce que tout le monde travaillait, on grandissait en travaillant au champ. Quand on a tout interdit, la plupart des gens sont partis vers la ville, loin d'ici. Un problème que nous avons maintenant, c'est la force verte. Il y en a beaucoup qui traitent bien les pêcheurs, mais d'autres les traitent très mal. Par exemple, ils jettent à l'eau la manivelle de moteur de notre barque. Parfois, ils frappent le pêcheur. Ils lèvent leurs armes contre le pêcheur. Nous avons beaucoup de difficultés avec la force verte. Nous avons les mains liées, nous ne pouvons aller nulle part. Le pêcheur n'a pas fait d'études. Après 5 ou 6 années d'école, il devient pêcheur. S'il ne peut plus pêcher et doit s'en aller en ville, il sera humilié, il vivra d'ordure. Tá
Avant, je travaillais bien, mais après que la SPVS a acheté, personne n'a pu aller travailler. Alors, quelques-uns sont allés à Cedro, parce qu'il n'y avait rien. D'autres sont allés à Antonine. Moi seul, je suis resté. J'aimais travailler, planter, faire des canoës. Mais après, ils ont tout interdit et je n'ai plus travaillé. Plus tard, j'ai pris ma retraite et les choses se sont un peu améliorées. Ça s'est amélioré parce qu'il a pris sa retraite. Autrement, nous aurions dû partir nous aussi. Je pense que nous aurions eu faim. La police est venue plusieurs fois. On voyait souvent un hélicoptère. Une voisine a eu de ses trouilles. Quand elle était seule et que la police arrivait, elle mourait de peur parce qu'ils voulaient attraper son mari. Ils arrivent et ils fouillent partout. Ils voient ce qu'il y a et ce qu'il n'y a pas. Non, ils n'ont plus d'avenir, à moins que les choses s'améliorent à partir de maintenant. Mon autre fils s'est marié. Il aime travailler ici, il n'aime pas être employé dans la ville, il aime travailler dans la forêt, parce qu'il s'y est habitué depuis qu'il était petit. Il veut planter, il aime travailler, mais ça fait peur. On a peur de travailler. C'est difficile. Les gens sont en train de partir, d'autres sont déjà partis. On ne peut pas travailler parce que la loi l'interdit. Alors, qu'est-ce qu'ils vont faire ici? Ils s'en vont à la ville. Mais on m'a dit que là aussi, il est difficile de survivre. Mais dans la forêt, c'est encore pire. Et pour cela, ils sont obligés de partir. Il est devenu vraiment difficile de vivre dans la forêt. Nous plantons ici, devant la porte de la maison. Nous n'avons plus aucune place pour planter. Nous pouvons planter seulement sur le bord du fleuve. Les Caissaras sont en train de vivre comme ça, comme vous le voyez, sans terre, et avec la force verte qui vient nous embêter. Je plante des bananes, des pommes de terre, des choses comme ça, du manioc, du maïs. Le maïs que j'ai planté ces derniers temps est si beau, mais tout est caché, on fait tout en cachette. On est opprimé, on a peur des autorités, on a peur. Avant, on mangeait et on avait mal nulle part. Ce n'est plus comme ça. Ma grand-mère, qui a 80 ans, n'était jamais malade. Elle me raconte qu'à mon âge, je n'avais aucune douleur. Mais maintenant, à 30 ans, on a mal par ici, on a mal par là. C'est à cause de l'alimentation, de ne pas manger ce qui est bon pour la santé. Je chassais. À présent, si on tue une bête, on te met en prison et on te vend en plus. Maintenant, personne ne peut travailler. Personne ne peut plus rien faire. Alors, ici, les gens ont l'habitude de planter, de faire ces choses-là, de vivre de ce qu'on cultive. La vie à la campagne est comme ça, mais ici, c'est difficile. C'est devenu difficile. Les interdictions, on ne nous laisse rien faire. On ne peut rien planter, ni du riz, ni des haricots, mais nous avons besoin de sortir les aliments de la terre. Et nous ne pouvons pas planter à cause de la force verte, de choses comme ça. Si vous voulez en planter, on va en prison. Alors,
Nous avons les mains liées. Que pouvons-nous faire? Il faut avoir faim parce qu'on ne peut pas planter. Então, é difícil aqui. Não pode pescar peixe que já. On ne peut pas attraper un poisson parce qu'il te surveille. Si on t'attrape en train de pêcher, tu as des problèmes. C'est vraiment agaçant. Incomode muito. E aí a gente fica, né? Como é que a gente vai viver? Nous nous demandons comment nous pouvons vivre dans ces conditions. Avant, nous vivions comme ça, en plantant. Et la forêt est là, elle est conservée. C'est pas nous qui avons liquidé la nature, c'est pas nous. Ce sont les éleveurs qui ont tout liquidé. Là où ils sont entrés, ils ont mis du bétail, il ne restait que le sol. Mais là où nous travaillons, regardez, tout est bien préservé. Alors, ça ne va pas, hein, c'est pas possible. Comment vont vivre les pauvres? Nous sommes d'ici. Aller à la ville sans profession, sans rien, comment allons-nous vivre là-bas? Ici, nous savons ce qu'il faut faire pour tirer les aliments de la terre. De mon point de vue, voilà ce qui se passe. Nous protégeons, nous préservons toute cette beauté qui est là, et maintenant, nous ne pouvons pas en profiter. Il y a des gens qui gagnent de l'argent à nos dépens, et nous, nous sommes de plus en plus misérables, sans perspective d'avenir pour nos enfants, pour nos petits-enfants quand ils arriveront. Et le gouvernement, je peux dire qu'il ne fait rien pour les pauvres. Parce que les riches peuvent déboiser, mais les pauvres doivent se tuer à force de faim, de misère, d'angoisse, en vivant dans la périphérie, en partant dans les grandes villes sans savoir quoi faire. Das angústias, vivendo nas periferias, indo para as grandes cidades sem saber o que fazer. Il y a des zones conservées, là où sont les communautés traditionnelles. Quand ces communautés traditionnelles n'existeront plus, la nature aussi cessera d'exister. On dit souvent que quand le dernier arbre tombera, le dernier homme tombera aussi. Moi, je crois que quand le dernier homme disparaîtra, le dernier arbre disparaîtra aussi. C'est qu'une chose dépend de l'autre. Quand l'homme n'existera plus, le monde n'aura plus besoin d'exister. Beaucoup de personnes disent, ces enfants sont l'avenir du Brésil. Moi je dis, au contraire, que le Brésil de demain est l'avenir de ses enfants. Percebeu que tinha que ser feito algo. La population s'est rendue compte qu'il fallait faire quelque chose et elle s'est organisée avec les quelques familles qui restaient pour faire un campement. Ensuite, nous avons contacté le mouvement, le MST, pour voir ce qu'on pouvait faire. Alors, le mouvement a commencé à aider, à accompagner ces familles dans leur lutte. Et les familles ont commencé à s'identifier avec le mouvement. Elles ont compris qu'elles aussi étaient des communautés sans terre. Le peuple a perdu l'accès au territoire, donc lui aussi était sans terre. À partir de cela, avec cette identité et cette nouvelle manière de s'organiser, la communauté a commencé à résister contre ces groupes, surtout contre la force verte. En plus, on a commencé à parler d'un projet pour la communauté, un projet de colonisation. Et alors on a discuté de l'agroécologie, une méthode de production sans produits agricoles toxiques, sans poison.
C'est ainsi qu'on a commencé à créer un nouveau système de production, qui est le même que la communauté appliquait 20 années plus tôt. Pendant cette période, depuis 6 ans déjà, la communauté a récupéré son autonomie en ce qui concerne la culture de la terre, l'utilisation du fleuve, l'accès à la forêt, sans aucune sorte de restriction. La force verte n'empêche plus la communauté de produire ses aliments en toute liberté. Nous voyons bien que si la forêt est sur pied, si elle existe encore, c'est parce qu'il y avait beaucoup de familles ici. Si la forêt existe, c'est parce qu'il y a un rapport affectif, un rapport d'amour entre l'homme et la nature. Avec tout ce qu'elle produit, la forêt peut exister et alimenter les peuples qui ont besoin d'elle. Nous, en tant que mouvement social, nous revendiquons cela, nous luttons pour cela, pour affirmer qu'il peut y avoir des êtres humains dans la mata, dans la forêt. Les grandes entreprises viennent et font que leurs produits soient très jolis et les mettent à des prix absurdes dans les supermarchés. Mais le peuple qui est né dans cette terre et qui la voit comme une partie de lui-même en est expulsé par certaines organisations. Está se vendo expulso da sua própria terra. Daí a gente vai lutar sempre para dizer que nous allons toujours lutter pour dire que c'est plus qu'une possibilité, que c'est une réalité, que la forêt est là, très bien entretenue, autant sa faune que sa flore, par les personnes qui vivent ici et qui savent vivre dans ce milieu. Nous luttons encore. Si on va au marché, on ne peut pas prendre une tomate pour la manger parce que tout est pollué. Ici, non. Ici, tout est biologique, pur. On peut tout simplement le prendre et le manger. Les mots me manquent pour le dire. Ici, tout est merveilleux. Tout est très bon. Et nous travaillons contents. N'est-ce pas, Monsieur Paul? Nous travaillons avec nos propres forces. Moi, par exemple, à mon âge, quand je plante quelque chose, je me dis parfois, je vais le voir du ciel, parce que j'ai déjà 71 ans. Nous ne travaillons pas en pensant seulement à l'argent, nous pensons à la vie, parce que cette plante qui est ici est une vie, n'est-ce pas? Nous travaillons avec beaucoup de fierté, avec beaucoup d'amour, avec toutes ces plantes, parce qu'une plante est pareille à nous, c'est une vie comme nous. Je ne pense pas à moi seulement, je pense à l'avenir de mes enfants. Si je travaillais seul, je n'y arriverais pas. Mais dans le groupe, nous sommes assez nombreux pour pouvoir travailler, pour pouvoir construire. Nous pouvons faire notre travail et gagner aussi de l'argent. Les femmes ont davantage de force de volonté. À mon avis, les femmes sont mieux disposées à travailler. C'est pourquoi dans les champs, nous disons en plaisantant, le campement José Lutzenberger marche grâce aux femmes. Notre travail de chaque jour est même joli à voir. On peut voir que la femme est plus adroite pour manier les plantes. Et en plus, c'est très agréable. Et dans notre travail quotidien, dans cette équipe, nous nous prenons d'affection pour nos amis, pour nos connaissances. C'est très intéressant. Et en plus, nous apprenons. Et cette liberté n'est pas seulement pour moi, c'est aussi pour les jeunes. J'ai 3 enfants et c'est très bon pour eux. Ça fait plaisir de les voir. En regardant la forêt, on se sent bien. À tel point que j'ai dit à mon mari, parce que ma cuisine ne donnait pas du côté de la forêt, je lui ai dit qu'il fasse une grande fenêtre pour que je puisse voir la forêt quand je prépare le petit déjeuner.
parce que la forêt est tout pour nous. Nous travaillons et nous obtenons nos aliments, c'est notre vie. Nous avons nos amis, nous discutons pour passer le temps. C'est très bon, très bon. C'est une zone où on élevait beaucoup de buffles et les buffles détruisaient le sol. Alors, nous avons choisi le système agroécologique. Le système agroforestier qui consiste à travailler la fertilité du sol et à produire des aliments divers dans un même espace. Là où il n'y avait que l'élevage extensif du buffle, qui détériorait beaucoup l'environnement, le sol, l'écosystème, nous sommes venus avec l'agroécologie, qui est à l'opposé du système capitaliste. Là où il y avait un seul produit, une seule méthode de travail, nous avons proposé une nouvelle forme de vie pour les familles, pour les communautés et pour le système. Pour les communautés et pour le système. Ça commence avec hortaliças. On commence par des légumes, puis on passe à des plantes qui ont un cycle plus long, de 6 mois, comme le manioc, la banane, le taïa. Ensuite, on plante des fruitiers comme le jabuticaba, la pupunha. On cultive des plantes au cycle court avec des plantes au cycle long. Ainsi, on a une production permanente. Ici, nous avons déjà des abeilles indigènes intégrées à l'agriculture forestière. Ce sont de petites abeilles de la forêt qui jouent un rôle essentiel dans la pollinisation. Et en plus, elles sont fondamentales pour la production de miel. En plus des avantages de l'agroforesterie elle-même, la production de miel est une source de revenus. Dans une forêt, automatiquement vont pousser des herbes et de petites plantes. Alors, les poules qui produisent de la viande et des œufs nous aident aussi à maintenir la propreté du système. Un modèle traditionnel d'agriculture nous dit que. Le modèle traditionnel d'agriculture nous dit que la meilleure façon de travailler, c'est d'éliminer la forêt et de cultiver un seul type de plante. Mais nous savons depuis des millénaires que la forêt produit des choses diverses au même endroit. Et que cette production ne se termine pas, elle est infinie. On remplace des espèces par d'autres, et il y a toujours une grande variété de production d'aliments. Substituindo algumas espécies por outras, mas sempre vai ter uma grande variedade de produção, né, de alimentos. Então, a ameaça não é as comunidades, la menace n'est pas le peuple, la communauté, mais le modèle d'agriculture conventionnel qui est imposé avec des produits toxiques, avec de l'abattage et en monoculture. Remplacer la forêt par du soja, des eucalyptus ou des pins. C'est le modèle implanté, mais ce n'est pas la manière de produire des communautés. La forme que les communautés ou le povo produisent. Ici, nous avons de l'engrais vert, une zone de récupération avec des engrais verts. Cette plante s'appelle mucuna. C'est une légumineuse qui produit beaucoup de matière organique pour le sol. Elle produit de la biomasse. Autrement dit, elle produit du carbone. Les multinationales utilisent la forêt pour produire du carbone. Nous, nous le faisons avec de l'engrais vert, avec la mucuna et d'autres légumineuses qui prennent les nutriments de l'air et les restituent au sol. Nous faisons du piégeage de carbone. Mais c'est un projet qui produit de la richesse pour le sol, de la fertilité, pour que nous produisions des aliments. C'est le contraire des projets des multinationales qui prennent le carbone des forêts pour le surévaluer dans le marché capitaliste. Supervalorizar no mercado capitalista, né?
Para nós aqui a floresta Pour nous, é a nossa la casa. Forêt est notre maison, notre manière de vivre. Ce qui a été déterminant, c'est l'organisation de la communauté, la mobilisation de la communauté et sa lutte pour faire valoir ses droits. Si nous avons obtenu l'autonomie, si aujourd'hui les enfants vivent bien et qu'il n'y a pas de persécution, c'est parce que la communauté s'est organisée, parce qu'elle a levé ce drapeau, le drapeau du mouvement sans terre. C'est cela qui garantit la permanence des familles d'ici. Cantando, vai cantando, vai dançando no matando, deixando amor pra trás, cantando ele vai voltando. A toda de mesmo mata, quem ela vai me matando, senti meu amor, senti, senti meu amor.